Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc, ça sera une vidéo Nose. Comme vous les attendez et vous les aimez, les vidéos Nose, je reviens et je vous en refais. Donc, on va commencer. Donc, en premier temps, j'ai trouvé ce sac-là en Disney. Donc, il rentre dans ma collection. Donc, comme ceci, qui rentre dans ma collection et que j'ai payé 2,99€. Hop. Ensuite, de temps, j'ai trouvé de Twilight le chapitre 4 Révélation première partie version longue à 99 centimes. C'est très très peu et c'est pas cher. Et du coup, il va se rajouter à ma collection Twilight. Donc, super contente. Ensuite, j'ai trouvé de clin d'œil de bourgeois en 50 ml le Nike Muse Eau de parfum. Je l'ai senti en magasin, ils sont super bons. Et je vous le recommande. Et il vaut 2,99€. Ensuite, j'ai trouvé pour ma petite Karine qui m'a demandé pour 4,99€. Elle m'a demandé de lui prendre cette jolie robe. Donc ici en fait c'est en version un peu satin. Donc vous avez un décolleté au niveau de la poitrine, là c'est de la dentelle avec des strass. Vous descendez et en fait vous avez la jupe qui est en version satin. Et ce qui est, je trouve, sympa, c'est le dos. Donc là vous avez le bouton. Vous avez une grosse goutte. Et là, en fait, vous avez toute la fermeture et cœur pour la mettre. Et pour 4,99€, une jolie robe comme ceci. Donc voilà. Et après, vous avez toutes les manches aussi en transparence. Donc voilà, ma petite Karine, ta robe va rejoindre ton colis. Pour 99 centimes pièce de la gamme Dirty Light Secret. Donc là, c'est une crème pour le corps scintillante. Donc, qui était à 99 centimes. Donc, les trois produits que je vais vous montrer, c'était 99 centimes pièce. Donc là, vous avez la crème pour le corps scintillant. Donc, je l'ai prise en deux fois. Donc, il y en a une pour toi, ma petite Karine. Il va rejoindre ton colis aussi. J'ai pris les gels douche, toujours à 99 centimes. Donc c'est une mousse de douche, toujours de la même gamme. Donc j'en ai pris deux, un pour ma petite Karine. Et j'ai pris les brumes. Donc voilà, pour les brumes. Ils font 100 ml. Et les gels douche et crème pour le corps, 200 ml. Et pour 99 centimes chaque produit. Et ça, c'est du vert. Et de cette gamme-là aussi, vous aviez le lubrifiant aussi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai trouvé pour 1€. C'est Passagère du Temps, donc Isabelle, qui en avait parlé. Il y a eu des petits sacs surprises comme ceci. Où dedans, en fait, c'est l'olivier argenté. Donc là, il y a deux gels douche, deux shampoings et un petit savon. C'est des petits parfums voyage. Donc Karine, on a un trésor, donc je vais vous montrer. Donc là, vous avez le petit savon, le shampoing. Le deuxième shampoing et les deux gels douche. Bon, il y en a un autre qui reste dans le sac, mais c'est quand même des, ils disent pas des combien des mails, mais okay, voilà. Donc on a deux pour toi, ma petite Karine. Et j'en ai pris deux pour moi.
par la même occasion, autant prendre. Ensuite, j'ai pris de la marque Petit Olivier, anti-pollution, le gel contour des yeux fleur d'amandier, protège et élimine tout type de peau, qui était à 2,99€. Et il présente comme ceci. Et c'est une bille en fait. Donc à tester et à voir ce que ça donne. Je vous en redonnerai mon avis. Et pour 2,99€ aussi, j'ai pris la brume anti-pollution fleur d'amandier aussi. Donc la brume se présente comme ceci. Et elles sent super bon. Ouais, ça sent super bon. Donc super contente d'avoir cette brume. Donc c'est pour vaporiser sur le visage. Donc voilà. Et j'ai très peu de brume pour le visage. Donc c'est parfait. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres de chez Rimmel. Donc c'est le 800. Donc c'est un fini satiné. J'ai payé 2€, donc c'était ainsi. Pour l'instant, je vais pas l'ouvrir parce que je sais pas si je vais le garder pour moi ou pas. J'ai trouvé aussi de Nivea une minute urban detox masque en 75 ml qui vaut 2,50€. Donc à tester parce que je connais pas du tout ce masque là et j'en entends beaucoup. Parler, donc je vais le tester très rapidement et je viens de voir, je crois qu'il y a une date, je regarderai ça, mais je crois qu'il y a une date, donc à tester. De chez Bourjois, j'ai pris la poudre libre à 3,72€, donc j'ai pris la 01 Piche, en pêche quoi. Comme ceci. Donc à tester parce que je connais pas trop les produits Bourjois. J'ai trouvé aussi pour moins 60% de ou 70 de 4,99€. J'ai trouvé ces collants là, donc de la de Little Marcel. Donc c'est des collants fantasy et ils sont. Attendez, je voulais les faire pour vous montrer. Mais en fait, il est un peu. Voilà. Il est comme ceci. Donc, de temps en temps, de porter des collants comme ça. Ensuite, de la marque Gouinland, j'ai pris un gommage au sel. Moi, j'ai pris celui à la fraise et à l'anis à 79 centimes. Et il y a quand même 400 grammes dedans. Et en fait, ça se présente et ça sent super bon. Et ça se présente comme ceci en fait. Donc, à tester parce que je connais pas trop. Donc, à tester. Et après, je vais vous montrer des bijoux que j'ai trouvé aussi. Pour 1,75€, j'ai trouvé cette bague-ci. Donc, il y a juste des strass au milieu ici. Et elle est toute simple autrement. Je vais essayer de vous la passer à la place de la mienne. Hop. Donc, voilà. J'ai trouvé un collier, donc un sautoir à 1,75€ aussi. C'est pas plus un sautoir, c'est plus un collier. Et c'est un collier avec un pendentif cœur. Donc voilà, avec une chaîne assez courte. Donc pour le prix, je ne me suis pas privée. Alors, de la marque Talbot-Rois, le service et la mode. Pour 1,75€, j'ai trouvé un bracelet.
Et le bracelet, il est... Hop, c'est un bracelet tout simple, en fait. Donc, vous pouvez faire plusieurs tours. Donc, celui-là, je sais... Je pense pas que je vais... Je vais le garder. Il ne faut être pas plus que ça. Donc... voilà quoi, donc je pense pas le garder. Donc si quelqu'un le veut, n'hésitez pas à me dire en commentaire et puis on s'arrangera. Il n'y a pas de soucis. Ensuite, une deuxième bague, donc toujours 1,75€. J'ai trouvé celle-ci avec juste un strass au milieu. Elle est super jolie aussi. Et toujours pour 1,75€, j'ai trouvé un collier. Toujours. Hop. C'est un collier court. Mais avec une médaille comme ceci. Avec un rond avec plein de petits strass au milieu. Donc, super contente de mes trouvailles bijoux. Ensuite, de la marque Marilyn, j'ai trouvé pour 2,99€. J'ai trouvé un pantalon comme ceci, en ML. Et il se présente comme ceci. Et c'est un pantalon tout en mode, c'est un leggings quoi. Donc voilà. Toujours le même, mais je l'ai pris en SM et en couleur gris comme ceci. Toujours pour 2,99€. Donc, je vous le montre comme ça. Toujours de la marque Marilyn. J'ai trouvé un jean comme ceci. Celui-là, je sais pas. Je pensais pas qu'il était comme ça, donc je pense pas le garder. Donc, si quelqu'un le veut, c'est en taille M et c'est un black. Donc, il est comme ceci. Et en bas, en fait, il est tout fripé. Et l'autre côté, il est pareil. Donc, voilà. J'ai trouvé en Playboy. Le string comme ceci, voilà, basique. J'ai trouvé le soutien-gorge qui va avec, super sympa aussi. Hein. Et pour les prix de cela, je sais plus, c'était dans le textile de masse, donc je pourrais plus vous dire les prix trop des vêtements. J'ai trouvé la culotte hein, qui va avec. Ça c'est toujours dans le textile de marque. J'avais trouvé une culotte comme ceci en léopard. Hop. Les culottes ça sert toujours. Hein. Et il reste trois petites choses à vous montrer. Donc à 2,99€ aussi. Bon là il est en XL. Donc à voir si je le garde ou pas. Donc il est comme ceci. Hop, en fait c'est un basique. Avec les petits trous au niveau des genoux. Et comme ceci. Celui-là, je pense qu'il va être trop grand. Il va être largement trop grand. Donc. Je sais pas. Si quelqu'un le veut et veut payer 3€, il n'y a pas de souci. Dites-le-moi en commentaire et puis on verra ensemble. De la marque Ardenne à 1,99€. En taille S, j'ai pris ce legging là. Bon, ces leggings là, je les garde pour la maison. Hein. Hop, c'est des habits pour la maison, pour dormir. C'est super sympa, puis ça sert de pyjama. Et pour terminer avec le haul, j'ai repris un pantalon en SM en couleur gris. La marque Marilyn toujours, et c'est un pantalon qui se présente comme ceci.
Donc vous avez les poches. Vous pouvez rajouter une ceinture si vous voulez. Mais en fait, c'est un basique. Et resserré en bas. Et il est bien. Il est bien épais. Donc voilà pour mon haul Noce. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!